Donc voilà, j'ai dit non, je ne vais pas vous parler de politique. Là, il y a des choses qui m'intéressent plus, des choses qui me font tiquer. Il y a deux jours, j'ai entendu la chanson de Gilbert Montagné à la radio, vous savez, On va s'aimer. Et là, ça m'intéresse. Là, il y a des choses. Rien que le refrain, déjà le refrain. Tu vois, le refrain, bon, on va s'aimer, il dit on va s'aimer sur un bateau, dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage. Moi, il m'a fallu 5 ans pour comprendre qu'il découvrait le visage avec les doigts. Tu vois, Avant, je me disais comment il fait, il est con, quoi. Deuxième question. Imagine-toi avec Gilbert Montagné dans un vieux grenier. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Après, c'est possible. Peut-être que tu l'as rencontré en soirée. Mais déjà, Gilbert Montagné en soirée, c'est super chelou. Soit il habite en face, tu vois, soit il est venu accompagné. Tu vois. Ou peut-être qu'il a fait la queue 10 minutes devant le fœtus en pensant que c'était le videur. Tu sais, genre... Allez, fais-moi rentrer. Putain. Là, t'es vache, tu me reconnais pas. T'es... Ah, merde. Mais bon, il est là. Il est là, il te paye un verre, il te fait rire. Tout se passe bien, tu vois, il te fait rire, enfin, il est un peu charmant, séduisant. Et là, il te dit, allez, on rentre chez moi. Tu dis, ok, on y va, Gilbert. T'arrives chez lui et il te dit, on monte au grenier. Pourquoi on va pas dans ta chambre? Après, peut-être que pour lui, le grenier, c'est la chambre. Tu vois, ses proches auraient pu lui dire, mais tu vois, une fois qu'il avait monté le lit, la commode. C'est bon, Gilbert, tu vas dormir là, pas de souci, tu fais comme tu veux. Bon, maintenant, t'es dans le grenier. Hein. Il est donc 3h du mat, tu vois, t'as bu 2-3 coups. Et là, il veut découvrir ton visage. Donc, il balance ses doigts, tu vois. Bon, les doigts de Gilbert, c'est plus des saucisses. Hein. Il y a moyen de flipper grave. T'es genre, mais t'es complètement con, Gilbert. Il dit, mais non, tu sais, c'est comme ça que je découvre le visage. Ok, désolé. Bon, voilà, je pense que c'était important d'éclaircir la question des non-voyants. Ouais, c'est pas la meilleure.